Une soirée diabolique au CGR de Niort. Si vous ne savez pas ce que c'est, Niort TV vous explique tout. Les soirées diaboliques, c'est les soirées qu'on organise avec le Ciné-Club des Diaboliques au CGR de Niort. Donc c'est mensuel, tous les premiers jeudis du mois, on propose une séance un peu spéciale où on propose en fait aux spectateurs de venir redécouvrir un film culte ou déniché. Pour nous, c'est important de présenter les films en VO. Avec l'adhésion à 15 euros, en fait, on a accès à toutes les séances au tarif réduit de 5 euros. C'est le tarif le plus avantageux de tous les tarifs réduits. Et on a carte blanche pour la programmation. En fait, Mathieu du CGR nous laisse carte blanche. Il a un droit de regard, évidemment. Mais en même temps, il nous accompagne vachement. Les locaux sont mis à disposition. Le personnel est super accueillant avec nous. Ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de proposer un petit plus. Donc c'est soit une animation, soit carrément un intervenant qui va venir parler du film qu'on met en avant. Pour la rentrée, on s'était dit qu'on allait faire un truc un peu choppy. Donc on a choisi un dessin animé, mais pas n'importe lequel. Alors en fait, avec l'association, on aime bien choisir soit des films un peu méconnus du grand public, soit des films qui sont devenus cultes avec le temps, mais qui, par exemple, à l'époque, avaient connu un succès un peu relatif. Là, du coup, c'est le premier film de Brad Bird. Et donc, vous allez voir qu'en fait, si vous avez un peu en tête Les Indestructibles ou Ratatouille, qui sont ces deux autres films d'animation, il y a déjà tous les éléments qu'on verra dans ces deux films, dans Le Géant de Fer, en fait. J'en avais entendu parler quand il était sorti, mais il y a très longtemps, et non pas plus que ça, mais voilà, j'aime bien la personne qui l'a réalisé, et du coup, c'est l'occasion qui fait de l'argent. Je ne serais peut-être pas allée sinon, mais c'est et l'association et le fait et le principe qui me font venir là.